Une nouvelle dissection, encore une. Ok, bon, ça devrait bien se passer, hein. La dernière fois avec la blatte, y'a pas eu trop de problèmes. Enfin, je sais pas, vous aviez l'impression que j'étais pas bien ou pas? Ouais, j'avoue, j'étais un petit peu dubitatif. Une fois de plus, j'en sors tout juste, là, de la dissection, hein, et chose importante qu'il faut savoir, vous devez vous dire, mais attendez, ils font des dissections tous les jours, ou c'est comment? Parce que le vlog de la blatte est pas si vieux que ça. Alors, il y a eu au moins un mois d'écart entre les deux dissections. J'ai eu le temps d'avoir masse de cours, il y a eu le temps du montage, etc. Bon, peut-être que vous vous en doutiez un petit peu. Bon, avec la blatte, aucun problème, j'ai pas été spécialement dégoûté ou quoi que ce soit. Là, c'est une souris, c'est différent. Alors, même schéma que la dernière fois, les dissections, c'est pas juste pour le plaisir d'ouvrir, hein, non, sinon ça n'aurait aucun sens. Le but derrière tout ça est de comprendre le fonctionnement afin, dans un second temps, de mieux pouvoir aider. Donc, d'une certaine manière, c'est une bonne chose de faire ces exercices. Et si aujourd'hui tu peux amener ton chat chez le veto et lui dire sauvez mon chat, SVP! C'est entre autres grâce à ça. Bon, allez, je vais y aller, y a pas de raison que ça se passe mal. La première fois, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, pourquoi j'ai cette espèce de boule là comme ça avant d'y aller? Bah, parce que c'est une souris, quoi. Une souris, ça commence à être un petit peu mignon, tu vois. Je me disais un petit peu ça. J'ai l'impression que je vais découper Mickey, Splinter ou Ratatouille. Ou Stuart Little. Ah ouais, comment je l'avais oublié lui? Allez hop. Ça c'est fait. Bref, la souris elle a de la peau, des poils, c'est pas comme une blatte quoi, donc vous pouvez vous en douter en écoutant ce que je dis, de l'appréhension. J'en ai eu, un petit peu. Je savais pas trop si j'allais être dégoûté par ce que j'allais voir. Même un de mes profs m'a fait une vanne la veille de la dissection sur Twitter. Ah ok. Ok, parfait, je note. De toute façon, il fallait que je le fasse, je vais pas m'arrêter à ça. En revanche, vous, je ne sais pas comment vous êtes à l'aise face à ça. Donc je préfère vous prévenir, il y a du sang, c'est normal, il y a des organes, ça va découper et épingler de la peau, enfin bon, comme pour la blatte, sauf que c'est une souris. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire discrètement, c'est que pour certains, ça peut être un petit peu dégueulasse. Donc si jamais, je vous le dis, si vous ne voulez pas voir d'image qui pourrait potentiellement vous dégoûter, le lien de cette vidéo en version censurée est en premier dans la description. Tu peux pas le louper, c'est le premier lien. Si t'es pas à l'aise, tu peux y aller, y a pas de problème, vous êtes averti. Ok, bon, je vais y aller pour de bon. Il y a beaucoup d'étapes. Eh mais c'est quoi ce premier truc que je remarque là? L'odeur. Ah sérieux, ce n'est même pas ouvert qu'une odeur plutôt dégoûtante se dégage de cette souris. Première étape, épingler la souris. Les quatre pattes. Tac, 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 tac. Voilà. Avec du recul, je crois que c'est la deuxième étape qui m'a le plus dégoûté. Sûrement parce que c'est le premier coup de ciseau que je vais avoir à lui mettre. Je vais devoir procéder à une manip qu'on appelle la boutonnière en dissection. Premier truc que j'ai pu apprendre. Il faut à l'aide d'une pince attraper un petit morceau de peau au niveau du nombril pour vous situer le truc, soulever et découper avec mes ciseaux le morceau de peau étiré. Mais par ces poils, là ? Afin de faire un trou en forme de rond. C'est ça, la boutonnière. Ok, je suis chaud, c'est parti, on enchaîne avec la deuxième étape. Insérer le ciseau sous la peau dans le petit trou qu'on vient de faire et remonter en coupant jusqu'au cou. Inciser sur les côtés au niveau des membres supérieurs et pareil au niveau des membres inférieurs. Je vais ensuite décoller toute la peau afin de l'épingler. Oh my god, le truc va ressembler à un écureuil volant quoi. Ouais, c'est le premier truc que je me suis dit. Clairement, s'il devait y avoir une étape où j'aurais pu être dégoûté, c'est bien celle-ci. Décoller et épingler la peau sur le côté, c'est un petit peu dégueu, on est d'accord. Et pourtant non, que dalle, rien du tout. Mis à part l'odeur, rien du tout. Je parlais de précision dans le side vlog de la blatte, mais là c'est un niveau un petit peu au-dessus. Lorsqu'on découpe la peau, il faut correctement placer son ciseau. Pas trop vers le bas pour ne pas percer les organes, pas trop profond, pas trop rapide. Bref, il faut être tellement concentré qu'à ce moment-là, rien ne peut me perturber. Pas même l'odeur ou la vue des organes. Rien. Jusqu'à ce que le prof me dise « Là, t'es trop penché vers le fond. » Ça m'a ramené direct. Alors, je vais pas vous faire toutes les étapes précisément de la dissection, hein. Le but, c'est pas de vous apprendre à disséquer une souris, mais de partager avec vous mon expérience de retourner à l'école en biologie, donc passer par cette petite souris, c'était obligatoire. Alors, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que t'en tires? Allez, Nozman réfléchit. Bah déjà, de ce que je peux voir, c'est qu'une souris, c'est quand même plus proche de nous qu'une blatte. Y a pas mal d'organes que je peux reconnaître, les poumons, le cœur, tous les intestins, qu'on a d'ailleurs dû dérouler lors de la fin de la dissection. J'ai dû recouvrir toute la souris d'eau et dérouler les intestins, histoire de pouvoir refaire l'histoire et le voyage de la nourriture. Le voyage de la nourriture. La nourriture, souvent sèche, ingérée par la souris, passe dans un premier temps par la bouche et est mouillée à l'aide de glandes salivaires. La digestion enzymatique démarre ici. Elle passe ensuite dans l'œsophage pour tomber dans l'estomac. Ici, la bouffe va être brassée. Plusieurs types de digestion vont avoir lieu. Digestion enzymatique, chimique et mécanique. On arrive ensuite dans l'intestin. C'est long les intestins. Duodénum, jéjunum, iléon. C'est d'ailleurs dans l'intestin grêle que se fait l'absorption des nutriments. On arrive ensuite dans le cécum où ça fait un aller-retour d'ailleurs. C'est un cul-de-sac ici. Et ensuite, on va avoir du popo puisqu'on arrive dans le côlon, rectum et l'anus. Ok, ça en fait du chemin. Encore une fois, l'exercice m'a vraiment intéressé du début à la fin. J'ai appris plein de choses, mais il faudrait environ 15 side vlogs pour tout vous expliquer. Et c'est là où je trouve ça cool, parce que l'aventure est loin de s'arrêter. Excellent. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, merci pour tout votre soutien, vous êtes incroyable, vraiment. Surtout n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de partager la vidéo, le concept à vos amis, et puis d'exploser le compteur de pouces en l'air, là, juste en bas. C'est pas compliqué, tu cliques et paf, voilà. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science...